trop souvent employé pour décrire une maladie, le mal de gorge n'est en fait qu'un symptôme commun à de nombreux troubles médicaux. Parmi eux, l'angine, la laryngite, la pharyngite, ou encore la rhinopharyngite. Apprenez à reconnaître l'origine de votre mal de gorge pour mieux le traiter. Le mal de gorge est un symptôme fréquent. Le plus souvent, la douleur se situe au niveau du pharynx et des amygdales. Elle se traduit par des picotements, une sensation de brûlure et parfois, une difficulté à avaler des aliments solides. Le mal de gorge peut être lié à des facteurs environnementaux, pollution, tabagisme, allergies, etc., ou à des remontées acides. Mais le plus souvent, il est causé par une infection virale, voire bactérienne, beaucoup plus rare. Mal de gorge, est-ce une angine virale ou bactérienne? Très fréquemment mise en cause dans l'apparition des maux de gorge, l'angine débute le plus souvent de manière brutale. À l'examen, il existe soit une rougeur, soit des points blancs ou un enduit blanchâtre sur les amygdales, et de gros ganglions douloureux au niveau du cou. Le plus souvent viral, l'angine peut toutefois être causée par des bactéries, le streptocoque bêta-hémolytique est couramment responsable de cette atteinte. Il est important de connaître l'origine du trouble car les traitements diffèrent selon l'agent responsable de l'infection. Un test pour identifier le type d'angine. Il existe des tests de diagnostic rapide de l'angine, TDR angine, à réaliser en consultation chez les médecins ORL et chez les généralistes. Ils évaluent en quelques minutes si la maladie est virale ou bactérienne. Le médecin effectue un prélèvement au niveau des amygdales avec un écouvillon, une sorte de long coton-tige, qu'il place ensuite dans un tube à essai contenant un réactif. Une bandelette est immergée dans le liquide et le médecin établit le diagnostic selon la couleur qu'elle prend. Grâce à ces tests, les médecins ne prescrivent des antibiotiques qu'aux personnes qui souffrent d'angine d'origine bactérienne, précise le Dr Arbun Cohen. Depuis le 1er janvier 2020, ces tests peuvent être effectués sans ordonnance auprès de pharmaciens qui redirigent les patients vers un médecin en cas d'angine bactérienne. Ils sont pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. À noter, ce test est inutile avant 3 ans, car l'angine bactérienne est très rare. Quel traitement en cas d'angine virale? Lorsque l'angine est virale, les médecins traitent le ou les symptômes. L'infection de la gorge et la douleur sont soignées à l'aide de pastilles à sucer, d'antiseptiques en pulvérisation locale et d'anti-inflammatoires, précise le docteur Esther Arbun Cohen. La température du patient, si elle est élevée, doit être surveillée et traitée à l'aide de paracétamol. Quel traitement en cas d'angine bactérienne? Le traitement antibiotique permet de prévenir les complications causées par la bactérie, rhumatisme articulaire aigu, par exemple, et d'empêcher la contagion. Il se prolonge jusqu'à 10 jours et doit être scrupuleusement respecté même lorsque l'état général du patient s'améliore pour éviter que les bactéries ne deviennent résistantes aux antibiotiques. Pharyngite et laryngite, quelle différence? La pharyngite aiguë peut être à l'origine d'un mal de gorge. La pharyngite aiguë présente les mêmes symptômes que l'angine, douleur au niveau de la gorge exacerbée par la déglutition et quelquefois fièvre. Elle est habituellement d'origine virale mais peut, comme l'angine, être provoquée par une bactérie. Le germe le plus fréquent dans la pharyngite bactérienne est le streptocoque. Cette forme se traite par la prise d'antalgiques et de colutoires. Le traitement antibiotique n'est prescrit qu'en présence d'une pharyngite bactérienne. La pharyngite infectieuse peut être à l'origine d'un mal de gorge. La pharyngite infectieuse entraîne, quant à elle, une rougeur diffuse et une douleur au niveau de la gorge, généralement peu intense, et une fièvre peu élevée. D'autres atteintes de la muqueuse respiratoire sont souvent présentes. Laryngite, trachéite, bronchite peuvent aussi être à l'origine d'un mal de gorge. Lorsqu'une toux apparaît, il s'agit d'une trachéite ou d'une bronchite. Lorsqu'elle est associée à un enrouement ou à une gêne laryngée, c'est une laryngite. Dans certains cas, la laryngite peut occasionner une perte complète de la voix. Et parfois une gêne respiratoire, surtout chez l'enfant quand elle touche la sous-glotte, partie inférieure du larynx de petit calibre chez l'enfant. Le traitement vise à traiter les symptômes de la maladie, à l'aide de pastilles pour la gorge, de paracétamol pour la fièvre et, ou de colutoires pour le nez. La rhinopharyngite et le rhume, responsables de votre mal de gorge?
Lorsque la pharyngite est accompagnée d'une atteinte du nez et de courbatures, elle est appelée rhinopharyngite et peut causer des irritations de la gorge. La rhinopharyngite, une maladie de l'enfance. La rhinopharyngite est davantage une maladie de l'enfant que de l'adulte. C'est grâce à elle, entre autres, qu'il acquiert son immunité pendant les 5 premières années de vie. Il s'agit d'une maladie d'adaptation très fréquente chez l'enfant, note le docteur Arbun Cohen. Jusqu'à l'âge de 6 mois, le bébé est immunisé par les anticorps que sa mère lui a transmis lors de la grossesse. À partir de 6 mois, l'enfant fabrique ses propres anticorps et c'est à ce moment qu'il commence à tomber malade. Les virus sont souvent les premières causes d'atteinte des voies respiratoires. Les rhinopharyngites peuvent s'aggraver plus tard en troubles pulmonaires ou en otite jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans. De même, les enfants de parents tabagiques, ceux qui manquent de fer et ceux qui sont trop souvent exposés à des changements brutaux de température sont plus fréquemment malades. Le traitement de la rhinopharyngite repose sur les mêmes principes que celui de l'angine. Si la maladie est virale, les symptômes sont soulagés à l'aide de paracétamol pour la fièvre et de pastilles à sucer pour le mal de gorge. Si elle est bactérienne, un traitement antibiotique est prescrit pendant une durée de 10 jours environ. Que faire en cas de maux de gorge quand on a un rhume? Le rhume peut aussi être à l'origine de maux de gorge bénins. Pour éviter qu'il ne dégénère en angine ou encore en laryngite, on traite rapidement les symptômes à l'aide de pastilles, d'un pulvérisateur buccal ou de comprimés décongestionnants à sucer. En cas de fièvre, on mise sur du paracétamol. Mal de gorge, les précautions de base pour l'éviter. La bouche et la gorge constituent généralement la première porte d'accès pour les corps étrangers, bactéries, ou les agents infectieux, virus, quels qu'ils soient. Alors, soyez prudent. Pour éviter d'attraper ou de transmettre les bactéries ou les virus associés au mal de gorge, il est essentiel de vous laver les mains soigneusement et régulièrement, d'éviter de vous toucher les yeux, de vous couvrir la bouche lorsque vous éternuez ou toussez. Il est également important de dormir au moins 8 heures par nuit, d'éviter les lieux enfumés, la pollution, le tabagisme, actif ou passif, et les aliments trop chauds. Hydratez et humidifiez suffisamment votre gorge en buvant de l'eau régulièrement. Si l'air de vos espaces de vie est trop sec, utilisez un humidificateur. Quand faut-il consulter quand on a mal à la gorge? La plupart des maux de gorge sont sans gravité et guérissent spontanément en quelques jours. Mais il convient de consulter un médecin dans plusieurs situations. Lorsque les maux de gorge persistent au-delà d'une semaine et, ou si les symptômes s'intensifient. Lorsque les maux de gorge surviennent de façon excessivement répétée. Si les maux de gorge vont de pair avec une forte fièvre, des vomissements ou un essoufflement anormal. Face à des maux de gorge répétés en cas de maladie chronique, pathologie cardiaque, pulmonaire, d'un rhumatisme aigu ou d'une immunité affaiblie.